Communauté missionnaire chrétienne internationale. La communauté missionnaire chrétienne internationale est un mouvement spirituel. Un mouvement spirituel est un mouvement que Dieu amène à l'existence par le Saint-Esprit pour un but précis. Ce but demeure aussi longtemps que le Saint-Esprit le dirige et le coordonne en toute liberté. Communauté missionnaire chrétienne internationale est un mouvement réunissant des personnes soumises à la Seigneurie de Jésus-Christ et qui lui rendent une obéissance totale en toutes choses. C'est un mouvement regroupant des personnes qui marchent avec Dieu et servent le Seigneur à partir du débordement de leur relation avec lui. Un mouvement rassemblant des personnes qui cherchent à être remplies du Saint-Esprit sur une base quotidienne. La communauté missionnaire chrétienne internationale est un mouvement engagé au gagnement des âmes, à la formation des disciples et à l'implantation des églises dans chaque localité et dans chaque nation du monde. C'est un mouvement engagé à susciter, à former et à envoyer des missionnaires dans toutes les nations pour le salut des peuples de ces nations. La communauté missionnaire chrétienne internationale a été appelée à apporter sa contribution au réveil mondial promis par Dieu par l'enseignement dispensé aux saints réveillés, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la formation des disciples et le compte rendu. Ayant reçu de Dieu un but, elle est engagée à la poursuite et à l'accomplissement de ce but qui est de prêcher l'Évangile dans la puissance du Saint-Esprit à 10 milliards de personnes dans notre génération et d'en amener 1 milliard à connaître Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. 2 milliards de personnes seront faites disciples pour obéir à Christ en toutes choses d'ici à l'an 2065. Le désir d'apporter l'Évangile aux hommes de notre génération était le débordement de la connaissance de la mort rédemptrice de Jésus-Christ sur la croix et aussi de la puissance de l'Évangile à sauver radicalement. La communauté missionnaire chrétienne internationale est le débordement du ministère apostolique du professeur Zacharias Tane Fomoun, leader fondateur de ce mouvement. Qui était le professeur Zacharias Tane Fomoun? Le professeur Zacharias Tane Fomoun était le leader fondateur de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Il était professeur de chimie organique à l'université de Yaoundé 1 et titulaire du Doctor of Science décerné par l'université de Durham en Grande-Bretagne. Le professeur Zacharias Tane Fomoun, communément appelé Frère Zach par les frères de la communauté missionnaire chrétienne internationale, est né au Cameroun le 20 juin 1945. Il reçut Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur personnel le 13 juin 1956, après avoir lu un traité intitulé « Quelqu'un est mort pour toi ». Ayant été conduit au Seigneur à travers un traité, la puissance de la page imprimée comme outil indispensable pour apporter l'Évangile au peuple de la terre pesait continuellement dans son cœur. Major steps in my spiritual progress were tied to the printed page.
la plupart des étapes majeures dans mon progrès spirituel étaient liées ou sont liées à la page imprimée. Before I turned 11, avant que je n'ai eu 11 ans, I was given that tract, someone died for you. Ce traité-là m'avait été donné. Quelqu'un est mort pour toi. And that's how I came to my encounter with the Lord Jesus Christ. Et c'est comme ça que j'étais venu à ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. When I was 21, lorsque j'avais 21 ans, I read the book. J'avais lu un livre. Go for me to China. Va pour moi en Chine. It was a testimony of Hudson Taylor, the famous missionary. C'était le témoignage de Hudson Taylor, le fameux missionnaire. That's how the missionary vision was born in my heart. Et c'est comme cela que la vision missionnaire naquit dans mon cœur. That same year, et cette même année-là, I read a book, Power Through Prayer. J'avais lu un livre, Puissance par la prière. And that's how I began to learn to pray. Et c'est ainsi que je commençais à apprendre à prier. Every step in my life, chaque étape dans ma vie, has been tied to a new breakthrough through the printed page. A été lié à une nouvelle percée à travers la page imprimée. If I were not the leader of the work, si je n'étais pas le leader de l'œuvre, I would be a bookseller. Je serais vendeur de livres. Plus tard, il se consacra au Seigneur Jésus-Christ et à son service par un acte d'abandon absolu de sa vie à Dieu le 1er octobre 1966, alors qu'il était étudiant à l'université de Fourabé à Freetown en Sierra Leone. C'est après cette expérience d'abandon absolu à Dieu qu'il commença à aimer profondément le Seigneur et à avoir un fardeau pour les âmes périssantes des hommes. Listen, Ben. Thanks, oh Buddha. If somebody goes to hell, wenn jemand in die Hölle geht, and cries from hell, und von der Hölle schreit, I'm in hell because the form used shirts that he could have sold and invested in my salvation. Und sagt, ich bin in der Hölle, weil Safumund eine Hemd behalten hat, die er hätte verkaufen können, um meine Seele zu retten. This is my only pair of shoes. Ich habe nur ein paar Schuhe, also diese paar Schuhe. But the shoes that come are sold. Die Schuhe, die ich bekommen habe, habe ich verkauft. To invest the money quickly into the perishing source of man. Um das Geld so schnell wie möglich in das Evangelium zu investieren, in die Seele der sterbenden Menschen zu investieren. Listen, brother. If someone allowed you to go to hell. Hör zu, Geschwister. Wenn jemand dir erlaubt, in die Hölle zu gehen, so that the gospel never reached you. Also indem er so, also das, wenn das Evangelium dich nicht erreicht, so that you become a candidate for hell. Und dadurch bist du eine, also eine Kandid, also eine, also dann bist, dann, damit bist du in der Hölle gegangen. Also deshalb bist du in der Hölle gegangen. Oh. What would you think of that person? Was würdest du von dieser jemand dann denken? Says I love Jesus so much that he allowed you to go to hell. Würdest du denn sagen, ich habe Jesus so sehr geliebt, dass er dich in der Hölle geschickt hat? Because he was eating according to his rank. Weil der hat gegessen nach seiner Sozialklasse, also dressing according to his rank. Sich angezogen nach, also entsprechend seine sozialen Klasse, also seine Sozialzugehörigkeit. So that you could. Und so bist du in der Hölle gegangen. Is that right? Ist
das richtig? That you should eat comfortably, so that someone preaches. Dass du gemütlich isst, also gut gesagt isst, nicht von mir sagt. J'ai prié pour lui pendant 3 mois, en 1963, sans le connaître. Parce que j'étais à une réunion, la conférence des églises de toute l'Afrique en Ouganda. Et j'ai trouvé le pays très beau. Et les étudiants étaient engagés à proclamer l'évangile. Nos étudiants camerounais, quand ils allaient en Europe, ils revenaient incrédules. J'étais très impressionné de voir des étudiants qui étaient des pasteurs, des enseignants de la parole. Et j'ai fait là-bas en Ouganda 3 mois. Je priais, Seigneur, envoie un Camerounais ici, à l'université de Makerere. Je suis sûr que si un Camerounais vient ici, il va rentrer avec quelque chose au Cameroun. Pendant ses études doctorales à l'université de Kampala en Ouganda, il dut confronter la nécessité d'être rempli du Saint-Esprit comme prérequis exigé par le Seigneur pour un gagnement efficace des âmes. Le frère Zach se tourna vers Dieu dans la prière, cherchant à être rempli du Saint-Esprit. Le 24 octobre 1970, il fut rempli du Saint-Esprit. Après que le Saint-Esprit fut descendu sur lui, il eut une liberté inhabituelle dans la prière et un fardeau pour les perdus qui l'ont poussé à l'évangélisation personnelle au sein du campus de l'université de Makerere et dans les rues de Kampala en Ouganda. When the Holy Spirit came upon me, quand le Saint-Esprit était venu sur moi, the gift of evangelist was imparted to me. Le don d'évangéliste m'avait été imparti. Because I went to Kampala. Parce que j'étais allé, sur les rues de Kampala. Trois ou quatre fois par semaine. From 7 p.m. to about 9 or 10 or 11. De 19h jusqu'à environ 21h ou 22h ou alors 23h. Jusqu'à ce que j'avais conduit environ 500 personnes au Seigneur. J'ai parlé de comment je courais après les pécheurs. Quand le Saint-Esprit était venu sur moi, j'aimais déjà Dieu. Mais il y a eu un amour fou pour Dieu. Le jour où le Saint-Esprit était venu sur moi, j'étais allé prêcher. Et quand j'étais revenu, j'avais eu ma première nuit de prière seule. Particulièrement, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, c'est là où il a reçu le ministère d'intercession. Comme il a dit, il y avait des moments, en 1970, après que le Saint-Esprit soit descendu sur lui, il passait 8 heures en prière d'affilée. Et sans se fatiguer, il ne se rendait même pas compte. Il a raconté une instance où il priait. Il a prié pendant des heures. Son camarade, un de ses amis, est venu s'agenouiller avec lui. Son ami a prié 2 heures de temps et il s'est en allé. Et il ne s'est même pas rendu compte tellement il était emporté dans la prière. J'avais grandi rapidement dans le Seigneur, avec le Saint-Esprit venant sur moi. J'ai commencé à chasser les démons. Je me souviens dans un établissement. Parce que nous avions des groupes chrétiens dans les établissements. Un des croyants était allé en vacances. Et son père l'avait pris. Il avait sacrifié une chèvre pour qu'il soit intelligent. Il était revenu à l'école étant fou. J'étais le dirigeant non officiel des jeunes. Because you really don't mean appointment. Parce qu'en fait,
En réalité, on ne rend pas ministère par nomination. But I was, the brother wrote to me that I should come quickly. Mais les frères m'avaient écrit demandant que je vienne rapidement. Because this fellow was rolling mad. Parce que ce gars-là était en pleine crise de folie. On l'a enfermé dans une chambre. When I got there, quand je suis arrivé là-bas, I took him to a teacher's room that was tame. Je l'ai amené dans l'appartement pour enseignants où je vivais. I battled with demons. Je me suis battu avec les démons. For 2 relentless hours. Pendant 2 heures sans relâche. He fell down, delivered. Le garçon est tombé à terre, délivré. I fell down exhausted. Et moi, je suis tombé au sol exténué. J'ai commencé à avoir faim de Dieu. Et le ministère a grandi. Depuis lors, il s'est déversé sans retenue dans le service de Dieu jusqu'à ce qu'il s'en aille pour être avec le Seigneur en 2009. Le 3 mai 1975 à Kampala, en Ouganda, après l'obtention d'un doctorat PhD en chimie organique, le frère Zach devait revenir au Cameroun. L'évêque Festus Kivengere de la communauté anglicane pria pour lui, l'envoyant en mission pour aller prêcher l'évangile au Cameroun. Il fut ainsi mis à part comme missionnaire au Cameroun et envoyé avec les paroles prophétiques suivantes prononcées par l'évêque. Seigneur, lorsque le frère Zach arrivera au Cameroun, que chaque Camerounais lui dise « Tu me dois Jésus ». Le 11 mai 1975, le frère Zach quitta l'Ouganda et arriva à Yaoundé en tant qu'homme envoyé par Dieu, un missionnaire ayant pour mission de donner Jésus à tous les Camerounais. Le jour de son arrivée, il prêcha à une jeune femme qui, à l'époque, était élève-professeur à l'école normale supérieure de Yaoundé au Cameroun et la conduisit au Seigneur. Elle est demeurée dans la foi jusqu'à ce jour. Ce jour-là, dans la nuit, il écrivit un traité évangélique intitulé « Comment connaître Jésus-Christ ». Ceci devint son premier outil d'évangélisation. Dès ce jour-là, le ministère du frère Zach au Cameroun décolla. Il utilisait toutes les opportunités qui se présentaient à lui pour prêcher l'évangile. Et chaque fois qu'il prêchait, il le faisait de toutes ses forces. The pride of a man's heart is an abomination to God. L'orgueil du cœur d'un homme est une abomination. He scattered the pride. He scattered the pride of heart and bring them totally to nothing. Il disperse les orgueilleux et les réduit à néant. Because the Lord Jesus, parce que le Seigneur Jésus, cannot take residence in ne peut pas aller résider dans un cœur orgueilleux. Il prêcha à Yaoundé dans différentes dénominations, église baptiste, catholique, presbytérienne, et dans le reste du pays, d'une localité à l'autre. There was no time when Brother found that some program somewhere for soul winning was difficult, or some program somewhere for soul winning was costly, either to him or to him physically or financially. He had a passion for soul winning. Wherever there was possibility for Brazil to go and preach the gospel, even if you get to the place and find that one person has organized for 10 people to gather or for 5 people to gather, Brazil will pay the price to go there. If only one person would believe, he came back rejoicing. You can be able to count about 1,000 localities of Brazil visit. If it was not what was ahead, he would not take the risk of driving on such terrible road where after Mbamayo there, it was Mbam, we spent about 100 meters inside mud, driving inside water. I remember moments that we went there because
the ferry would not carry our car. We had to hire small boat, small canoe, in order that Braza would enter with little children pedaling him to cross the river. Au moment de son retour pour être avec le Seigneur en 2009, le frère Zach avait fait entre sa base de Yaoundé et le reste du Cameroun plus de 700 voyages missionnaires d'une durée variant d'un jour à 3 semaines pour prêcher l'évangile et pour édifier les saints. Il avait prêché dans plus de 1000 localités au Cameroun, envoyé plus de 200 missionnaires nationaux dans plusieurs localités du pays et implanté plus de 1300 églises dans les diverses provinces administratives du Cameroun. C'était à l'époque où l'œuvre commençait au Cameroun. Donc le frère Zach allait dans les villes voisines du pays pour implanter les églises. Et j'avais le privilège, premièrement, de l'accompagner dans ces différentes villes. Donc c'est ainsi que nous allions en Balmayo, que nous allions à Obala, que nous allions à Bafia, à Douala, presque toutes les églises alentour de Yaoundé, je sais comment elles ont été implantées. En Anga et Boko, je sais par exemple qu'à Obala, c'était si violent que parfois on prêchait les portes et les fenêtres fermées. Je me souviens un jour, on était à l'intérieur au début et le frère a prêché. Il y a un caillou qui est passé par la fenêtre et a frappé l'un de nous, ici à la poitrine. À une autre réunion, toujours à Obala, c'était le point le plus violent. On avait fermé les portes et les fenêtres. Les populations étaient dehors, criant, ne voulant pas qu'on prêche. Et à un moment, nous nous sommes rendus compte que tout le monde toussait dans la salle. Et immédiatement, on a dû ouvrir le porte. Qu'est-ce qui s'était passé? Ils avaient écrasé le piment et avaient soufflé le piment sec dans la salle pour nous sortir de là. Dans sa base de Yaoundé, il implanta et bâtit avec ses co-ouvriers une méga église qui, à son départ en 2009, avait atteint un effectif stable d'environ 12 000 membres. Cependant, le frère Zach n'était pas juste un ministre de l'Évangile. Il était aussi un mari et un père. En tant que mari et père, il prenait soin des siens, tout en étant aimant, tendre et strict. Il traitait chaque enfant d'une manière spéciale et veillait à bien pourvoir aux besoins de sa famille. Dans sa maison, la dévotion familiale, moment où toute la famille et tous ceux de la maison communient autour de la Bible, reçoivent l'enseignement de la Bible et prient, était une loi immuable, qu'il soit à la maison ou non. Dieu et la parole de Dieu occupaient une place centrale dans la maison. Il était très amical et arborait un sourire chaleureux, charmant et accueillant. Le frère Zach s'intéressait beaucoup aux gens. En dépit de l'énorme pression sous laquelle le mettait l'appel de Dieu dans sa vie et son emploi de professeur d'université, il était très sensible aux besoins des gens. Le frère Zach avait un ministère de compassion qui se manifestait notamment par un souci particulier pour des gens qui souffrent, des gens en détresse, des gens dans des problèmes. Par exemple, lorsqu'il revenait de certains voyages, les gens pouvaient être rassemblés en grand nombre à Etougueve pour l'attendre. Mais quand il arrive parfois d'un long voyage venant d'Europe, des pays africains, parfois après avoir passé des jours, des semaines,
Il peut arriver qu'il est d'abord parti à l'hôpital pour rendre visite à quelqu'un. C'est un moment, il quitte la nuit de paix, il saute dans la voiture pour aller rendre visite à une veuve, à des orphelins. C'est un moment, après les réunions d'enseignement, après toute cette fatigue, après toutes les activités de la journée, il pouvait rester longtemps pour rendre ministère aux gens, prier pour les malades, conseiller. Et après, c'est une campagne d'évangélisation, de délivrance. Sa réjouissance n'était pas tant ceux qui avaient été délivrés, guéris, mais il avait de l'agonie pour ceux-là qui n'avaient pas été guéris, pour ceux-là qui n'avaient pas été délivrés. Il consacrait du temps aux gens, aux individus, et faisait tout ce qui était en son pouvoir pour satisfaire les besoins des personnes nécessiteuses et souffrantes, ce qui lui coûtait grandement sur les plans émotionnels et financiers, mais aussi en temps. Il avait une capacité inhabituelle de se réjouir avec ceux qui se réjouissaient et de pleurer avec ceux qui pleuraient. Il avait un grand cœur et pardonnait à ceux qui l'offensaient profondément. Il partageait sa vie avec les gens. Il était aussi très discipliné avec le temps et avec l'argent. Il s'appliquait à la discipline dans l'utilisation du temps. Comme j'ai dit, une des choses, c'était racheter le temps pour mettre dans la prière. Racheter le temps pour être avec Dieu. Et il avait vu l'importance du temps tel que il y avait des moments. Il disait même que lorsque il veut voyager, que les gens ne viennent pas l'attendre. Parce que c'est gaspiller le temps de Dieu. Et il y avait des moments où, dès qu'on finissait une réunion, il disait à personne, que personne ne le suive. Parce qu'il voulait racheter son temps pour être seul avec Dieu. Et il était très méticuleux avec l'utilisation du temps. Il n'était pas quelqu'un, bien qu'il aimait beaucoup les gens, mais il y avait des moments où il était très strict. Tu pouvais penser que celui-ci n'aime pas les gens. Mais c'était juste parce qu'il voulait racheter le temps pour être avec Dieu. Et comme il voulait travailler très dur, quand il se couchait, parfois il disait, après 5 minutes, il faut qu'on me réveille. C'était une discipline. Et il disait que 5 minutes de sommeil, c'est déjà suffisant. Donc la discipline, ce n'était pas juste pour être discipliné. C'était parce qu'il voyait le temps de Dieu précieux. Et il voyait le temps comme quelque chose qui doit être mis dans Dieu et dans l'œuvre de Dieu. Il était très simple, propre et ordonné. On pouvait le voir même à sa main d'écriture. Il était transparent et partageait avec les siens ses joies, ses peines, ses difficultés, ses batailles de foi et la vision de l'appel de Dieu dans sa vie. Depuis 1970, tu n'as jamais été le même. At 28, à 28 ans, I was speaking at the highest meeting in Uganda. J'avais été orateur dans la réunion la plus élevée en Ouganda. The Uganda Kese Convention. La convention ougandaise de Kese. Before that meeting, I fasted for 3 days. Avant cette réunion là, j'avais jeûné pendant 3 jours. Where was staying? My neighbor was a senior lecturer in physics. Là où nous habitions, mon voisin était un chargé de cours en physique. He was at the meeting. Il était à la réunion. Mr. Fetso Kemwe, I took the first lesson. I took the first message. J'avais pris le premier message. Mr. Fetso Kemwe, he was the leading speaker of Uganda for 20 years. Et l'évêque Festo Kibengere, qui était le dirigeant de l'Afrique, de l'Ouganda pendant 20 ans, et de l'Afrique de l'Est pendant 20 ans, avait pris le message suivant. Quand j'étais rentré à la maison, le docteur Bletil, mon voisin, était venu et il avait dit,
tu pourrais ne pas le savoir. Mais pendant que tu parlais, le Saint-Esprit coulait et remplissait la salle. Some weekends, certains week-ends, at 5 p.m. À 17h, I'll be 300 kilometers from Kampala. J'étais à 300 km de Kampala. And I had a car. J'avais une voiture. I've been driving home. J'étais en train de conduire pour rentrer à la maison. I've been preaching for the whole weekend. Ayant prêché là-bas pendant tout le week-end. The Holy Spirit was on me. Le Saint-Esprit était sur moi. Then I came and the work started. Et puis j'étais venu et l'œuvre avait commencé. Ainsi, il était un modèle et un véritable bâtisseur d'hommes utile à Dieu et aux intérêts de Dieu. On peut le voir à travers la multitude de dirigeants qu'il a formés et dont certains sont restés avec lui comme co-ouvriers, tandis que d'autres sont allés fonder leur propre ministère. Son cœur paternel demeurait ouvert à ceux qui s'éloignaient de Dieu. Il n'abandonnait jamais personne, mais les portait tous dans son cœur, priait pour eux, les aimait et les réprimandait pour s'assurer qu'ils reviennent à Dieu et vivent. Il formait des disciples pour le Seigneur Jésus. Il était un amoureux ardent et passionné du Seigneur Jésus et donnait tout au Seigneur. Il ne refusait rien ni personne au Seigneur. Il aimait le Seigneur et considérait son service au Seigneur comme son plus grand privilège de ce côté-ci de l'éternité. Chaque jour, il suppliait le Seigneur de lui accorder le privilège de le servir. Le service du frère Zach au Seigneur était le débordement de son amour et de sa profonde gratitude envers Dieu. Il n'avait jamais considéré les exigences de l'appel de Dieu dans sa vie comme un sacrifice, mais plutôt comme un sujet de joie. C'était une personne joyeuse et pleine de paix, ayant en Dieu une foi d'enfant. Tout ce que Dieu l'appelait à faire, il savait qu'il devait le faire. Et même s'il échouait à maintes reprises, il n'abandonnait jamais. Il essayait encore et encore et encore. Il n'abandonnait jamais une chose que Dieu lui avait accordé de voir. Le frère Zach jouissait de la vie. Il mangeait sa nourriture et buvait de l'eau avec plaisir, les prenant comme des dons reçus de Dieu. Même dans ses moments de détente, il enseignait la parole de Dieu et traitait des problèmes de la vie. Tout ce qu'il faisait, il le faisait de tout son être. Il aimait le Seigneur et travaillait très dur. C'était un homme saint. S'il pouvait littéralement battre sur quelqu'un, il le ferait à cause du péché, à cause d'une piteuse marche avec le Seigneur ou à cause de la paresse. Il détestait le péché parce qu'il voyait la douleur que le péché causait au cœur de Dieu et son effet destructeur sur les individus. It's horrible. C'est horrible. It's horrible. C'est horrible. Every sin, tout péché, is a disaster beyond telling. C'est un désastre indicible. Every sin, tout péché, is a disaster beyond telling. C'est un désastre indicible. Because sin, parce que le péché, has only one target. A visé une seule chose. The heart of God. Le cœur de Dieu. Sin, le péché, has only one target. A un seul objectif. The heart of God. Le cœur de Dieu. The sinner, le pécheur, aims all at one thing. Il vise une seule chose. To pierce the heart of God. Transpercer le cœur de Dieu. Every sin, chaque péché, has only one objective. A un seul objectif. To pierce the heart of God. Poignarder le cœur de Dieu. You go to a lake of fire. Tu iras dans le lac de feu. Because you have caused pain to God's heart. Parce que tu as causé la douleur au cœur de Dieu. You go to the lake of fire. Tu iras dans le lac de feu. Because you have caused pain to God's heart. Parce que tu as causé la douleur au cœur de Dieu. God has decided. Dieu a décidé. That those who cause pain to his heart. Que ceux qui causent la douleur à son cœur. Burn in hell forever. Brûleront en enfer pour toujours. En même temps qu'il portait ses lourdes responsabilités spirituelles, le frère Zach poursuivait sa carrière académique avec un sens d'excellence. Il fut major de sa promotion en licence S-Sciences et obtint un prix du Fourabé College
à l'Université de Sierra Leone en octobre 1969. Ses recherches en chimie organique furent sanctionnées par l'obtention d'un doctorat PhD à l'Université de Makerere en octobre 1973. Ses publications scientifiques, évaluées par l'Université de Durham en Grande-Bretagne, furent distinguées comme des travaux de grande envergure, ce qui lui valut le diplôme de Doctor of Science, DSC, en octobre 2005. En tant que professeur de chimie organique à l'Université de Yaoundé 1, le FRESAC a supervisé et co-supervisé plus de 100 mémoires de maîtrise et thèses de doctorat et a été co-auteur de plus de 160 articles parus dans les meilleures revues scientifiques internationales. Il considérait la recherche scientifique comme un acte d'obéissance au commandement de Dieu d'assujettir la terre, dans Genèse 1, verset 28. Il savait aussi que le Seigneur Jésus est le Seigneur de la science, car par lui toutes choses furent créées, Colossiens 1, 16. Il fit du Seigneur Jésus le directeur de son laboratoire de recherche, tandis que lui, professeur Fomum, prenait le rang de directeur adjoint. Il attribua son succès scientifique au leadership du Seigneur Jésus. Tout ce qu'il a fait en science, tous ses projets de recherche, tous ses résultats scientifiques, tout ce qu'il a accompli, il a consacré cela, y compris sa thèse de DSI, au Seigneur Jésus-Christ. Donc nous suivons cette trace et la vision qu'il avait de la recherche. Et il nous a donné l'ordre de produire des résultats exceptionnels pour porter le nom du Seigneur Jésus-Christ à la vie de la science. Il y avait cependant une chose remarquable dans la vie du frère Zach. C'était sa vie de disciple du Seigneur Jésus. Il avait accepté et reçu le Seigneur Jésus comme son Seigneur et modèle. Pour lui, tout ce qui se trouve en Christ est final et doit être suivi. Pour le frère Zach, le modèle de la vie chrétienne et du service, c'est le Seigneur Jésus dans son être, dans son faire et dans son avoir. Sa vie quotidienne en tant que disciple du Seigneur Jésus-Christ était caractérisée par une marche quotidienne avec Dieu dans la prière, la lecture de la Bible, les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, la lecture de la littérature chrétienne et le revêtement du caractère de Christ. C'était un homme qui avait faim de Dieu et qui, par conséquent, cherchait Dieu, connaissait Dieu, obéissait à Dieu, aimait Dieu, servait Dieu et prenait grand plaisir à plaire à Dieu. In the investing that you will get. With hunger for God. Explain with hunger for God and hunger and thirst. Hunger und Durst und Durst. Hunger and thirst for God. Hunger und Durst für Gott. Talk about hunger and thirst for God. Erstens Hunger und Those who hunger and thirst for God. Diese die Durst und Hunger haben für Gott haben. As they hunger, they will begin to. The hunger for God will lead to seeking God. Dass dieser Hunger und dieser Durst für Gott wird dazu führen, dass sie as they seek him,
Und das, they will find him. Und während sie Gott suchen, werden sie ihn finden. As they find him, und wenn sie ihn gefunden haben, werden sie ihn kennen. As they know him, und wenn sie ihn kennen, they will love him. Werden sie ihn lieben. As they love God, and as the, während sie Gott lieben, they will love the lost, because for God so loved the world, for God so loved the lost. Und dann, wenn sie Gott lieben, dann werden sie die Verlorenen lieben. And as they love the lost, und wenn sie die Verlorenen lieben, they will give time to win the lost. Dann werden sie ihre Zeit investieren, um die Verlorenen zu retten. They give time to win the lost. And as they love the Lord, und während die Verlorenen, they invest their money to win the lost. Während sie die Verlorenen lieben, werden sie ihr Geld da rein investieren, damit sie gerettet werden. Il manifestait son amour pour le Seigneur par une coûteuse obéissance à Dieu en toutes choses. Il était engagé à obéir à la parole de Dieu, à la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit dans son cœur et à la parole de Dieu transmise par d'autres. Il avait lu la Bible plus de 60 fois et avait lu plus de 1350 livres sur la foi chrétienne. Sa passion à connaître Christ et à le faire connaître aux autres l'avait conduit à écrire 150 livres chrétiens pour l'avancement de l'évangile de Christ. Après avoir donné une série d'enseignements sur les ABC de la vie chrétienne, il a dit qu'il veut produire, il veut faire dactylographier ses enseignements et produire des manuscrits pour donner à tous ceux qui étaient fidèles. Donc, il a mis par écrit ses enseignements qu'il donnait sur les ABC de la vie chrétienne. Il m'a demandé si je peux traduire le premier manuscrit qui était intitulé Le chemin de la vie. Listen, when we started in Yaoundé, we rented a studio in Vogada. Als wir damals in Yaoundé angefangen haben. And I said, God, may the gospel go from this room to all the continents, to all the nations. Comme la puissance dépendait du Saint-Esprit, nous avons immédiatement établi que la prière devait être la priorité dans la production des livres. Donc nous avons ouvert une chambre de prière où chacun de nous allait prier chaque jour et où des amis du Book Ministry venaient également de dehors pour prier. Tu devais prier pour la rédaction des livres. Il a écrit un bulletin de prière, comment accoucher une heure de rédaction. Parce que pour écrire un livre, il avait calculé qu'il lui faut au moins 100 heures pour se préparer et pour écrire. Il n'écrivait jamais la théorie. Il écrivait toujours ce qui avait été vécu dans sa vie. En tant qu'étudiant en doctorat, c'est là qu'il avait écrit son premier livre en 1976. Et c'était le livre Disciples coûte que coûte. Donc quand vous voulez connaître la pensée originale du frère Zach, il faut lire ce livre, parce que c'est le tout premier livre qu'il a écrit. Et c'est un peu comme le résumé de tous les autres livres. 4 millions de ses livres, traduits en 11 langues, et 16 millions de traités évangéliques écrits par lui et traduits en 17 langues, sont en circulation. Au début de l'édition de nos livres en 86, tous nos livres étaient distribués, toute la production était distribuée. On a envoyé des livres au Congo, au Togo, au Gabon, tous ceux qui demandaient nos livres, on les leur envoyait gratuitement et à nos frais. Et c'est pour ça que rapidement, nos livres ont pénétré beaucoup de pays. De telle manière que lorsque les missionnaires venaient, ils trouvaient déjà un terrain préparé.
Il passait aussi entre 15 minutes et 6 heures par jour seul avec Dieu dans ce qu'il appelait rencontre dynamique quotidienne avec Dieu. Pendant ces moments, il lisait la parole de Dieu, il méditait, écoutait la voix de Dieu, entendait Dieu lui parler, mettait par écrit ce que Dieu lui disait et priait à propos. Il a enregistré plus de 18 000 rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu. Il considérait ces rencontres quotidiennes avec Dieu autour de sa parole comme la force déterminante de sa vie. À ces rencontres quotidiennes avec Dieu s'ajoutent plus de 60 périodes d'une durée de 3 à 21 jours qu'il appelait « retraite pour le progrès spirituel ». Pendant ces périodes, il se retirait seul pour chercher Dieu dans la prière et dans la parole. Ceci transforma lentement le frère Zach en un homme qui, au départ, avait faim de Dieu, ensuite en un homme qui avait faim et soif de Dieu, puis en un homme qui avait faim et soif et qui languissait après Dieu. Le cri intérieur incessant de son cœur était « Puissais-je avoir davantage Dieu ?» It has been a story. Ça a été une histoire of an ever-growing hunger for God. D'une faim toujours croissante pour Dieu. People think that I love to preach. Les gens pensent que j'aime prêcher. Yes, I do. Oui, j'aime prêcher. But I prefer. Mais je préfère qu'on me laisse seul avec Dieu. Ma plus grande joie. C'est d'être seul avec Dieu. Le frère Zach considérait la prière comme le travail le plus important qui puisse être accompli sur terre pour Dieu et pour l'homme. Il croyait fermement que ce qui n'est pas fait dans la prière n'est pas fait du tout. C'était un homme de foi qui croyait que Dieu exauce les prières et donc, il priait. Des sujets de prière écrits, il avait plus de 50 000 exaucements enregistrés et il entreprit plus de 100 marches de prière d'une distance allant de 5 à 47 km dans des villes et métropoles à travers le monde. Il enseignait intensément et profondément sur la prière à partir des Écritures, des vies et des enseignements d'hommes qui ont marché avec Dieu et de sa propre vie. Il écrivit aussi plusieurs livres sur la prière. Il s'efforçait de plus en plus à connaître Dieu et à le mouvoir pour qu'il exauce la prière. Il suppliait pour que l'on prie pour lui. Il sautait facilement d'une conversation à la prière. Il accordait beaucoup de valeur à la prière et la plupart du temps, quand il se déplaçait en voiture, il priait avec ses compagnons de voyage pour quelques besoins de l'œuvre. Il mit des sujets de prière à la disposition de tous pour permettre à quiconque voulait prier pour lui, en 5 minutes ou plus, de le faire. Il mit aussi sur pied des chaînes de prière, des chambres de prière et des maisons de prière où davantage de prières étaient élevées à Dieu, et ceci de manière toujours plus croissante. When you see a non-praying leader, you lead a non-praying church. Quand on voit un dirigeant qui ne prie pas, il va diriger une église qui ne prie pas. Like leader, like church. Tel dirigeant, telle église. Whatever excuses you give now. Quelles que soient les excuses que tu peux être en train de donner maintenant. For your superficial praying. Pour justifier ta prière superficielle, ta manière superficielle de prier. One thing I want to tell you. Une chose que je voudrais te dire. You may accomplish 0.1% of what God intended you to accomplish. C'est que tu pourrais accomplir 0.1% de ce que Dieu voulait que tu accomplisses. Before Jesus Christ prayed the Holy Spirit to come upon him. Avant que Jésus-Christ ne prie pour que le Saint-Esprit vienne sur lui, jusqu'à ce qu'il ait déchiré les cieux par la prière,
and torn hell by fasting. Et déchiré l'enfer par le jeûne. He did not preach one sermon. Il n'avait pas prêché un seul sermon. He knew he had to deal with God. Il savait qu'il fallait qu'il traite avec Dieu. And deal with the enemy. Et qu'il traite avec l'ennemi. Before he would deal with man. Avant de traiter avec l'homme. Oh, may God give us men of God. Oh, puisse Dieu nous donner des hommes de Dieu. Women of God. Des femmes de Dieu. Instead of men of men. Au lieu des hommes, and women of men. Et des femmes, des hommes. Le 12 mai 1975, un jour après son arrivée à Yaoundé, en provenance de l'Ouganda, il tint sa première nuit de prière avec deux personnes. At the first all-night prayer meeting. Während das erste Gebetsnacht. Wir waren drei Leute. So Priska, myself and one person. Schwester Priska, meine Frau, ich selbst und eine dritte Person. And since that day. Und seit diesem Tag. There never been one any week when there's no one all night in Yaoundé. Seit dieser Zeit es hat nie eine Nacht gegeben, wo es keine Gebetsnacht gibt. Now all nights are every night. Jede Nacht gibt Gebetsnacht. La prière avait toujours été centrale dans sa vie. Les nuits de prière et les saisons de prière caractérisaient sa vie. Avec son équipe, il a tenu plus de 57 croisades de prière. Une croisade de prière est une période étendue d'une durée de 7 à 40 jours, pendant laquelle au moins 8 heures d'affilée sont investies par jour dans la prière. Ils firent aussi plus de 80 sièges de prière. Un siège de prière est une période de prière presque ininterrompue d'une durée allant de 24 à 120 heures. En 2006, lorsque l'œuvre avait pénétré la 50e nation, le Seigneur dit au frère Zach que la quantité et la qualité de prière pour l'œuvre devaient être proportionnelles à la croissance et à l'expansion de l'œuvre. Ainsi, sur instruction du Seigneur, le frère Zach commença à conduire les frères à prier chaque nuit à la base de Tougébé à Yaoundé de 22h à 6h du matin et plus tard de minuit à 6h du matin. Il appela ces nuits de prière « Nuit de prière pour la conquête du monde ». S'inspirant du passage de Lévitique 6, verset 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Il exhorta et chargea son équipe de prière de s'assurer que la prière soit élevée à Dieu chaque nuit à la base de l'œuvre qui, à l'époque, se situait à Tchégébé à Yaoundé, pour soutenir l'œuvre grandissante à travers le monde. Il disait que la mesure spirituelle d'un homme, c'est pas sa vie de prière. Et il disait que si quelqu'un a reçu quelque chose à faire pour le Seigneur et il ne prie pas, c'est que ce n'est pas, il n'a rien, c'est que ça ne peut pas être une œuvre de Dieu. Puis l'œuvre de Dieu est faite à partir de la prière et développée dans la prière et grandit dans la prière. Depuis lors, les nuits de prière pour la conquête du monde se sont fidèlement tenues jusqu'à ce jour, chaque nuit à Koumé, où se situe le nouveau quartier général du ministère. Le frère Zach considérait aussi le jeûne comme l'une des armes majeures pour le combat spirituel chrétien. Ainsi, il accomplit plus de 250 jeûnes d'une durée allant de 3 à 40 jours, buvant de l'eau et prenant des vitamines solubles dans l'eau pendant ses longs jeûnes. Le frère Zach vit l'importance de racheter l'argent et de l'investir dans l'évangile de gloire pour atteindre ceux qui n'ont pas Christ. Il choisit par conséquent de mener un style de vie de simplicité et de pauvreté auto-imposée afin que les revenus de sa famille soient investis dans l'œuvre. We have a house that we built in the past. கடந்த நாட்களில் கட்டப்பட்டது. We have put it on sale and we will give the proceeds 100% to Jesus Christ.
நாங்கள் வீட்டை வித்துட்டு sold our house, வீட்டை வித்துட்டு அதை ஆண்டவர் கொண்டு கொடுத்துட்டோம். There was a time we sold a carpet. Carpet, எங்க வீட்டில் இருந்த கார்பெட்டை வித்தோம். We had a deep freezer and a fridge. The fridge was new. My wife sold it. A fridge வீட்டில் இருந்துச்சு, அது புது fridge. Deep freezer, இந்த பொருட்கள் எல்லாம் குளிர்பானத்தில் பாதுகாக்கிறது, அதையும் வித்து ஆண்டவருக்கு கொடுத்துட்டோம். I came from Germany, somebody gave her a good briefcase, she sold it. நல்ல briefcase இருந்துச்சு, அதையும் வித்து ஆண்டவருக்கு கொடுத்தோம். Last time when I was here, brother bought me some good clothes. போன தடவை நான் இருந்த போது எனக்கு பாஸ்டர் நல்ல சூட் வாங்கி கொடுத்தார். Maybe he's asking why I'm not wearing them. அந்த சூட்டை ஏன் இவர் போடலன்னு பாஸ்டர் நினைச்சிட்டு இருப்பார். Brother, I sold them and I put them into the gospel. நான் அந்த சூட்டையும் கொண்டு போய் வித்து அதையும் போய் காணிக்கையில போட்டுட்டேன். இப்பதான் தெரியுது எனக்கு. I really did not know. Listen, brethren. நல்ல கவனி, நல்ல கவனி. The perishing souls of men, the perishing souls of men. சோ இந்த ஆத்மா இருக்குதே, அழிஞ்சு போற ஆத்மா, அத பத்தி உனக்கு கவனம் இருந்தா அது செய்வா. I want to thank you a million times for honoring me and giving me good things. எனக்கு நல்ல பொருட்களால நீங்க கொடுத்து என்ன ஆனர் பண்றதுக்காக உங்களுக்கு மில்லியன் டைம் நன்றி சொல்றேன். ஆனா அது ஆண்டவருக்குரியது. Sell your possessions and give to the poor. நீ உனக்கு உள்ள சொத்து பொருளெல்லாம் வித்து இயேசு இல்லாம இருக்கானே அவனுக்கு சுவிசேஷத்தை சொல்லு. Sell your possessions and give the gospel to those without the gospel. சுவிசேஷம் இல்லாதவனுக்கு சுவிசேஷம் சொல்லு. உன்கிட்ட இருக்கிற காசெல்லாம் செலவழிச்சு. Provide purses for yourselves that will not wear out. Son épouse et lui grandirent au point d'investir dans l'évangile 92,5% de leurs revenus de diverses sources, tels que les salaires, les allocations, les droits d'auteur, les dons en espèces. Il le faisait dans l'espoir que, pendant qu'il grandirait dans la connaissance et l'amour pour le Seigneur et pour les âmes perdues des hommes, il pourrait un jour investir 99% de leurs revenus dans l'Évangile. Pour le frère Zach, l'investissement du tout d'un homme est le témoignage de l'amour de cet homme pour le Seigneur Jésus et pour ceux pour qui il mourut. Le seul moyen de conquérir le monde pour Christ est d'avoir une récompense éternelle au ciel. En 1977, le frère Zach alla en retraite au Mont Phébé à Yaoundé au Cameroun, recherchant une fraîche rencontre avec le Seigneur. C'est dans ce lieu et à ce moment-là que le Seigneur lui apparut physiquement et l'appela à un ministère apostolique au-delà du Cameroun. Il lui donna pour mission d'implanter des églises à travers le monde. Voici un extrait de ce que le Seigneur lui dit. Je t'appelle à un ministère mondial de moisson avec pour but d'atteindre le monde entier avec l'évangile de Jésus-Christ et de t'assurer qu'un milliard d'entre eux sont sauvés et faits disciples du Seigneur Jésus-Christ, lui obéissant en toutes choses selon ma parole. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Psaume 2, versets 8 à 9. C'est ainsi que la vision de la conquête du monde pour Christ vint à l'existence et que le ministère auquel Dieu avait appelé le frère Zach traversa les frontières du Cameroun pour atteindre le reste du monde. Après cette expérience, le Seigneur continua à se révéler au frère Zach à diverses périodes de sa vie et la vision de la conquête du monde pour Christ grandit et devint plus claire. C'est cette vision, transformée en des buts réalisables, qui définit son ministère et devint le fardeau central de sa vie. Il travaillait sans arrêt, voyageait beaucoup et œuvrait durement en prêchant, enseignant, bâtissant des hommes pour qu'ils connaissent et servent Dieu.
Il guérissait les malades, chassait les démons des personnes oppressées et possédées et brisait les malédictions. Au moment de son retour pour être avec le Seigneur, il avait effectué plus de 500 voyages missionnaires d'une durée allant de 2 jours à 6 semaines de sa base de Yaoundé vers plus de 70 nations sur tous les 6 continents et envoyé plus de 200 missionnaires internationaux dans plusieurs nations sur tous les 6 continents. Il avait implanté des églises dans plus de 60 nations. C'est cette vision de la conquête du monde pour Christ et ce ministère auquel le Seigneur avait appelé le frère Zach qui sont devenus notre vision et notre ministère aujourd'hui. Le frère Zach n'avait pas seulement été appelé par Dieu comme apôtre de l'Évangile. Il avait aussi été appelé à un ministère distinct d'intercession. Le frère Zach initia des mouvements de jeûne et de prière et mena des batailles contre les principautés et puissances qui s'opposent au progrès de l'Évangile et aux buts globaux de Dieu. C'était là sa contribution unique au succès global de notre œuvre et à l'accomplissement du but total de Dieu pour notre génération. En 1987, quelques années après que le Seigneur ait rendu clair pour le frère Zach le but de notre ministère, le Seigneur commença à lui montrer les principautés qui se tiendraient comme obstacle à l'accomplissement du but. Ces principautés et puissances barraient la voie à l'accomplissement des desseins de Dieu dans notre génération. Dieu appela distinctement le frère Zach au renversement des principautés et puissances comme tâche à exécuter pour que notre but soit accompli. À propos du renversement du prince du communisme, qui tenait 2 milliards de personnes captives dans 30 pays, le frère Zach écrivit les lignes suivantes dans son livre « La pratique de l'intercession ». Le premier prince que le Seigneur nous appela à renverser est le prince du communisme. Au cours de mon premier jeûne de 40 jours, je fus transporté en esprit pour un tour du monde durant lequel le Seigneur me montra le pouvoir actuel du prince du communisme et ses plans pour la conquête du monde. Il me dit, le secret de la croissance et de l'expansion du communisme, c'est l'engagement absolu et le sacrifice total. S'il y a des personnes prêtes à s'engager à moi de manière absolue et à sacrifier tout pour moi, dans une mesure au moins égale à celle du communisme, je travaillerai avec elle pour m'assurer que le prince du communisme est renversé. Plus tard, après beaucoup de prières et d'attentes devant Dieu, nous envoyâmes la lettre suivante à nos courvriers dans le Seigneur. Nous avons décidé, en réponse à l'invitation du Seigneur, de jeûner pendant 21 jours. Ne buvant que de l'eau du 10 au 30 décembre 1987. Nous demanderons à Dieu de faire de nous le genre de personnes qui peuvent coopérer avec lui pour le renversement du prince du communisme. Nous lui demanderons aussi d'en susciter plusieurs autres qui, à travers l'engagement absolu et le sacrifice total pour lui, seront utilisés pour renverser le prince du communisme. Je vous invite personnellement à vous joindre à nous dans ce jeûne. La pratique de l'intercession, page 185. Au 17e jour du jeûne, le 26 décembre 1987, le Seigneur dit au frère Zach que le but du jeûne avait été atteint, que le prince du communisme avait été renversé. Ses co-ouvriers et lui devaient par conséquent arrêter le jeûne. Ils se réjouirent et louèrent Dieu, s'étant privés de 51 repas.
Des frères de plusieurs pays participèrent à ce jeûne. Environ 90% d'entre eux étaient du Cameroun. Une fois de plus, le 23 octobre 1988, le frère Zach convoqua un autre jeûne de 21 jours pour prier pour les sujets suivants. 1. L'ouverture des pays communistes et des cœurs de leur population à l'évangile de gloire. 2. Que des centaines de millions de Bibles et de livres chrétiens soient déversés dans les pays communistes et qu'ils soient traduits en chinois, en russe et en d'autres langues parlées dans les pays communistes. 3. Que des multitudes d'apôtres, de prophètes, d'évangélistes, de pasteurs et d'enseignants consacrés et sanctifiés soient envoyés dans les pays communistes. 4. Que parmi les croyants des pays communistes, des apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants soient suscités pour travailler dans les pays communistes. 5. Que l'Église dans les pays non communistes soit enflammée et zélée pour les églises des pays communistes. Le jeûne débuta le 5 décembre 1988. 1522 personnes issues de 23 pays participèrent à ce second jeûne. Ce fut un jeûne difficile pour lui. Le dernier jour du jeûne, le 25 décembre 1988, le Seigneur parla au frère Zach et lui dit « Dis à mes enfants qui ont jeûné que j'ai accepté la contribution qu'ils ont apportée pour s'assurer que mon fils exalté ait une victoire totale dans le monde communiste. J'ai accepté leur jeûne. Je les change par une récompense dans mon royaume ce jour-là, chacun selon ce qu'il lui en a coûté. Tu continueras à t'emparer de ce que tu as conquis, mais tu le feras par la prière et la littérature envoyée dans les pays communistes, mais plus jamais à travers de longs jeûnes. » Après avoir reçu ce message d'encouragement du Seigneur, le frère Zach écrivit dans son livre intitulé « La pratique de l'intercession », ce dont il devint sûr. Il écrivit « Le prince du communisme fut-il renversé? Il doit subsister dans plusieurs cœurs la question de savoir si oui ou non le prince du communisme a été renversé. Tout ce que nous disons, c'est que le Dieu qui nous appela à jeûner et à prier pour son renversement nous dit qu'il a été renversé. » C'était le 20 décembre 1987. Nous croyons avoir correctement entendu Dieu, que ce soit au sujet du jeûne ou au sujet de son résultat. Nous n'avons cependant pas besoin de nous défendre. Si Dieu nous a parlé et si nous l'avons entendu correctement, alors, à compter du 20 décembre 1987, il devrait y avoir des changements de grande envergure dans les pays communistes par rapport à leur attitude vis-à-vis, premièrement, du communisme, deuxièmement, de l'emprisonnement des croyants, troisièmement, de l'obstacle à l'entrée des Bibles et autres littératures chrétiennes, quatrièmement, du refus des libertés aux individus, et cinquièmement, de plusieurs autres changements. Si le prince du communisme était effectivement renversé, et si les croyants continuaient à se tenir à la brèche, alors des millions de personnes dans les pays communistes devraient se tourner vers le Seigneur Jésus-Christ dans quelques années à un taux phénoménal. Plusieurs dirigeants communistes devraient se départir, au moins en pratique, de l'approche communiste de la vie et rechercher une approche de la vie qui soit pieuse. Nous regardons à Dieu pour qu'il accomplisse sa parole à nous adresser. Amen. La pratique de l'intercession, pages 192 et 193. L'impact de ce jeûne fut ressenti dans le monde entier quelques mois seulement après la rupture,
en ceci que le communisme s'effondra dans divers pays d'Europe centrale et orientale. L'évolution de la Pologne vers un gouvernement dans lequel les communistes sont une minorité et la contestation grandissante dans les États baltiques sont deux signes simples des changements sans précédent qui ont eu lieu en Europe de l'Est. Que penserait Lénine, le père du communisme mondial, en voyant le mouvement qu'il a inspiré commencer à s'écrouler de l'intérieur? Que ferait Joseph Staline s'il voyait le rideau de fer de l'Europe s'affaisser? Et qu'est-ce que cela impliquerait pour leurs successeurs si la Pologne formait un gouvernement non communiste? C'est ici la fin du système communiste en Europe. J'en suis sûr à 100%, je suis optimiste. L'Europe de l'Est, qui fut un bloc solide contrôlé par Moscou, ressemble plus aujourd'hui à un puzzle branlant dont les pièces seraient sorties de trois boîtes différentes. La Hongrie et la Pologne sont sur le point d'adopter le multipartisme. La Tchécoslovaquie et l'Allemagne de l'Est abritent des poches de résistance malgré les tentatives faites par le gouvernement pour les écraser. Ce n'est qu'en Roumanie et en Bulgarie où l'on vit encore à l'ombre du stalinisme qu'il n'y a pas de dissidence significative. Je pense que nous évoluons vers les guerres, quelque chose qu'on n'avait jamais vu avant. C'est-à-dire que nous avons vu la transition des régimes totalitaires vers des démocraties libérales. De telles transitions n'ont jamais eu lieu dans un système communiste. Ce fut une révolution. Un article intitulé « Révolution de 1989 » tiré du site www.wikipedia.org, encyclopédie libre sur Internet, enregistra les séries d'événements qui se déroulèrent dans plusieurs pays communistes en 1989. Il y est écrit: les révolutions de 1989 furent des révolutions qui renversèrent les régimes communistes dans divers pays d'Europe centrale et orientale. Les événements débutèrent en Pologne en 1989 et se poursuivirent en Hongrie, en Allemagne de l'Est, en Bulgarie, en Tchécoslovaquie et en Roumanie. L'un des facteurs communs à la plupart de ces événements était l'usage abondant de campagnes de résistance civile, démontrant l'opposition populaire au maintien du régime du parti unique et contribuant à la pression pour le changement. La Roumanie fut le seul pays du bloc oriental où le renversement du régime communiste se fit avec violence. Parmi les révolutions anticommunistes les plus connues, il y a la chute du mur de Berlin qui apparut comme l'ouverture symbolique vers la réunification allemande qui eut lieu en 1990. Le mur de Berlin était un mur construit par la République démocratique d'Allemagne en 1961 pour séparer l'Allemagne de l'Ouest démocratique de l'Allemagne de l'Est communiste. La chute de ce mur le 9 novembre 1989 apparut comme l'ouverture symbolique vers la réunification allemande qui eut lieu en 1990. L'Union soviétique fut dissoute vers la fin de l'année 1991, ce qui aboutit à la déclaration par 14 pays de leur indépendance, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Biélorussie, l'Estonie, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, la Lettonie, la Lituanie, la Moldavie, le Tadjikistan, le Turkménistan, l'Ukraine et l'Ouzbékistan. Ce qui aboutit à la déclaration par 14 pays. Le communisme fut abandonné en Albanie et en Yougoslavie entre 1990 et 1992. Ce dernier pays s'étant scindé en 5 États qui lui ont succédé vers la fin de l'année 1992. La Slovénie, la Croatie, la Macédoine, la Bosnie-Herzégovine et la République fédérale de Yougoslavie, renommée plus tard Serbie-Monténégro, et scindée plus tard en deux États, la Serbie et le Monténégro. La Tchécoslovaquie aussi fut dissoute 3 ans après la fin du régime communiste, se scindant pacifiquement en République tchèque et Slovaquie en 1992. L'impact fut ressenti dans des douzaines de pays socialistes.
le communisme fut abandonné dans des pays tels que le Cambodge, l'Éthiopie, la Mongolie et le Yémen du Sud. L'effondrement du communisme a amené les commentateurs à déclarer la fin de la guerre froide. La Voix des martyrs, ministère dédié à l'assistance de l'Église persécutée à travers le monde, écrivit aussi un article intitulé « 40 ans de ministère » dans son site internet www.persécution.com. Au jour où la Roumanie ouvrait nouvellement ses frontières en 1990, les travailleurs de la Voix des martyrs apportèrent, sans menace d'emprisonnement, des camions remplis d'aide et de matériel chrétien destinés au peuple de Roumanie et des autres pays libérés. Une imprimerie chrétienne et une librairie furent ouvertes à Bucarest en Roumanie et, en 1991, 10 tonnes de littérature et d'aide furent rapidement écoulées vers la Sibérie. En 1992 aussi, la Voix des martyrs ouvrit une librairie chrétienne à Moscou et distribua plus d'un million d'exemplaires du Nouveau Testament illustré aux enfants d'Albanie, de Roumanie, de Moldavie, de Russie, d'Ukraine et de Bulgarie. En l'espace de 4 ans, la plupart des requêtes élevées à Dieu durant les jeûnes de 1987 et 1988 avaient déjà été exaucées. Le communisme était en train d'être abandonné dans la plupart des pays communistes et de nouvelles réformes politiques étaient entreprises. Les organisations chrétiennes et les églises étaient invitées par plusieurs pays anciennement communistes. Il leur était permis de distribuer des Bibles et de la littérature chrétienne dans plusieurs territoires communistes. La liberté de religion fut proclamée dans plusieurs territoires communistes et la persécution des chrétiens fut réduite. En vérité, le prince du communisme avait été renversé. Nous proclamons que le prince du communisme a été renversé et que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Dieu appela le frère Zach à jeûner et à prier pour le renversement d'autres principautés et puissances, tenant des milliards de personnes en captivité, notamment le prince du Mal-Si, le prince du bouddhisme et le prince de l'hindouisme. Le Seigneur avait révélé au frère Zach que les armes spéciales contre ces principautés et puissances étaient des supralongs jeûnes, c'est-à-dire des jeûnes d'une durée allant au-delà de la durée normale des longs jeûnes. Il commença donc à faire des supralongs jeûnes. Il fit 3 jeûnes de ce type. Le dernier supralong jeûne du frère Zach prit fin le 13 mars 2009 lorsque le Seigneur lui dit que les 3 armées de méchanceté que sont le prince du Mal-Si, le prince du bouddhisme et le prince de l'hindouisme ont été démantelés. Le but de ce jeûne a été atteint. Alléluia! Dieu a remporté la victoire, fut le cri du frère Zach. Il arrêta le jeûne et envoya une lettre à tous les membres de la CMCI pour annoncer la victoire du Seigneur sur les 3 armées de méchanceté et la fin du supralong jeûne. Il était alors à Bamenda, le chef-lieu de la région du Nord-Ouest au Cameroun. Il écrivit « Alléluia! Dieu a remporté la victoire! Bien-aimé, gloire à Dieu! Les 3 armées de méchanceté ont été démantelées à minuit au 70e jour du supralong jeûne. Nous donnons toute la gloire à Dieu pour cette victoire. » Cependant, la prière et le jeûne pour le réveil de chacun dans notre ministère continuent. La Pentecôte du 22 mars reste maintenant notre objectif et nous devons presser de l'avant dans la préparation. S'il te plaît, joins-toi à moi pour remercier le Dieu du ciel qui m'a transporté tout au long des 70 jours et nous a permis d'avoir la victoire sur les armées de méchanceté. Merci beaucoup pour ton soutien et tes prières qui l'ont rendu possible.
Que la gloire soit à notre Seigneur Jésus, Sauveur et Roi qui est sur le trône. Alléluia! Amen! De ton bien-aimé depuis Bamenda, Zacharias Tane Fomoum. Plusieurs pourraient se poser la question de savoir si les trois armées de méchanceté ont été effectivement démantelées. Tout ce que nous disons, c'est que le Dieu qui appela le frère Zach à jeûner et à prier pour le renversement de ses princes du mal, lui a dit qu'ils ont été démantelés. Si les trois armées de méchanceté ont été effectivement démantelées, alors des millions de personnes aux abords de l'Afrique du Nord, du Moyen-Orient et de l'Asie, où vivent plus de 4,4 milliards de personnes, et dont 90% sont non évangélisés, et où l'islam, le bouddhisme et l'hindouisme occupent la place centrale, devraient se tourner au Seigneur Jésus dans quelques années à un taux phénoménal. Nous croyons que le frère Zach avait entendu Dieu correctement, à la fois à propos du jeûne et à propos de son résultat. Nous regardons au Seigneur pour qu'il accomplisse la parole qu'il a dite à son serviteur. Amen. Le 14 mars 2009, alors que le frère Zach était en route pour Bambili, une petite localité située dans la région du Nord-Ouest au Cameroun, pour faire une restitution à son professeur de littérature anglaise à propos d'une affaire qui s'était passée lorsqu'il était élève au secondaire dans les années 60, il aperçut un non-croyant qu'il connaissait, mais qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. On the 14th of March 2009, just after Brother Zach has proclaimed victory over the three hosts of wickedness, we left that morning, very early in the morning, with Brother Zach, Sister Colette Sisako, our national, who was Brother Zach's traveling secretary for the conquest of Cameroon, and myself on the steering, and we're driving to Bambili, a small locality a few kilometers from Bamenda. Actually, we're going to cast Bambili, the school where Brother Zach passed through between 1965, and I was going there because the Lord had asked him to go and see one of his lecturers who was still there and to carry a certain restitution or some repentance. Since that this period of time, Brother was period of fasting and overthrow of the host, Brother was dealing with everything stayed in his life. That was one of the points, one of the reasons why we're going on that trip. About 1 kilometer from Bamenda, it occurred as usual that you pick a phone and want to call. And he actually started talking with Brother Theodore and Ose, who was missionary in Nigeria then. He spoke with him from that point, talking about the ministry in Cameroon, the north of Cameroon, and the spread of the work in Cameroon, out of Cameroon and else, other places. And we drove until, while they were on the phone, until we got to the Bambui junction and passed, going to, towards Bambili. When we were close to where they called the three corner, that was when they stopped their conversation. When we got to the three corner and took the road, the street that they call Long Street, the street going to Cass Bambili, just a few meters from the junction, I perceived one of our former ministers who was walking on foot, conversing with somebody and going towards the junction we've just passed. We have just passed. And I mentioned to Brother Zach that this, I called the name and said, this minister is the one passing on the other way. And as I called the name and mentioned to Brother Zach, he immediately said, he's his classmate. That should clear the car. He would like to greet him. He has not seen him for so long. So that's how I cleared the car. And Brother Zach came out of the car on his side and walked towards the back of the car in order to follow this classmate who was going towards the junction. I also came out of the car, locked the car, to follow Brother Zach.
But as I walked towards the car myself, he had gone a distance from the car. As I was walking towards him, and he found I locked the, he heard I locked the car, I think so. As he heard me lock the car, he turned towards me. And as I was coming towards him, I saw his hand raised to the sky, and he was looking to the sky. All he did was, as his face looked at me, he called Israel. That's all I knew. He called Israel, and as I answered Daddy, I found him like going. And he was face looking in the air, he was going on his knees. I'm the one who came close to him and held him down. And as I took him down, I considered that was the end. Because he said no other thing. And I got him into the car. With the help of people who were passing around me, we got him into the car. And Cordell Sisako, who was with us, realizing that I had gone down with Daddy Zach, started shouting and praying in tongues. And we got him into the car, along with Cordell, with the people who could help us, and we rushed Brother Zach to the hospital, which was very, very close. About 5 minutes, 10 minutes, we were already with the medical staff. And as we got there, the first medical staff we met confirmed immediately to us, this man is no more with us. And the medical doctor of the district was also in his residence right there, came immediately and confirmed also that he had gone. He was no more alive. I made a phone call immediately to our brethren, our provincial leader of the Northwest, who also came with our brother, who is a medical doctor, Dr. Yuta, and he came and immediately consulted Brazak and confirmed to us that Brazak was no more with us. He was certain that Brazak had gone. Nous pouvons véritablement dire du frère Zach qu'il avait combattu le bon combat, qu'il avait achevé sa course et qu'il avait gardé la foi. Gloire soit à Dieu pour une vie menée pour la gloire exclusive du Seigneur. Au cours des 12 dernières années de la vie du frère Zach sur la terre, Dieu avait mis dans son cœur le fardeau pour le réveil de tous les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Il le fit parce que les croyants de la CMCI en avaient besoin et aussi parce que Dieu avait dit au frère Zach qu'il y aurait pour tout le corps de Christ un réveil qui déchirerait le ciel, secouerait la terre et glorifierait Christ. Et que lorsque ce réveil viendra, les croyants se tourneront vers les frères de la CMCI pour apprendre à pratiquer les rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, les comptes rendus et la formation des disciples que le Seigneur a distinctement enseigné à la communauté de la CMCI comme moyen de préserver un réveil. Le fardeau pressant du frère Zach était que tous, à la communauté missionnaire chrétienne internationale, cherche à être rempli du Saint-Esprit et marche avec Dieu chaque jour. L'esprit filman. L'homme rempli de l'esprit, even as his weakness, même dans sa plus profonde faiblesse, is absolutely different from the man who is not faithful. Est absolument différent de l'homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. There's a difference in depth. Il y a une différence dans la profondeur, dans la largeur, dans le contenu. I want to beg you. Je voudrais te supplier. Oh, whatever will cost, whatever will cost. Quel que soit ce que ça va coûter, quel que soit ce que ça va coûter. Sois rempli du Saint-Esprit. En 2005, alors que le frère Zach rendait ministère au Congo-Brazzaville, le Seigneur l'encouragea à commencer le jeûne spécifique qu'il lui avait ordonné de faire. Le Seigneur lui dit qu'il commencera à réveiller les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale et il l'encouragea à presser dans le jeûne jusqu'à la fin. De même, en 2007, alors que le frère Zach était encore sous le fardeau du réveil du peuple de la CMCI, le Seigneur lui parla. Cette fois,
il rendait ministère à Santa Cruz en Bolivie. Le Seigneur lui donna un message pour tous les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ce message était la réponse de Dieu au cri à lui adressé par le frère Zach pour qu'il envoie le réveil au peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Ce message était un commandement de Dieu au peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale d'envahir le monde avec l'évangile par l'évangélisation, le gagnement des âmes, l'implantation des Église, la guérison des malades, la délivrance des démons et le brisement des malédictions, et ceci, quelles que soient leurs conditions spirituelles. Le Seigneur promit que si les croyants de la CMCI obéissaient à ce commandement, ils commenceraient à restaurer chacun d'entre eux à son premier amour pour le Seigneur et à son sentiment d'intimité avec Dieu. Le Seigneur dit de manière particulièrement claire dans ce message que cet appel à une saison spéciale d'évangélisation, de gagnement des âmes, d'implantation des églises, de guérison des malades, de délivrance des démons et de brisement de malédictions était le moyen qu'il avait choisi pour restaurer le peuple de la communauté missionnaire chrétienne internationale à son premier amour pour Dieu et sa méthode pour apporter la croissance en nombre désiré. Le Seigneur insista tant sur ce message qu'il déclara 2008 année d'évangélisation, de gagnement des âmes et d'implantation des églises à la communauté missionnaire chrétienne internationale. Le 31 mai 2008, alors que le frère Zach était en mission à Londres, le Seigneur lui parla encore. Cette fois-ci, le message était destiné aux missionnaires nationaux et internationaux. Dans ce message, le Seigneur commanda aux missionnaires nationaux et internationaux de notre œuvre de se retirer dans une retraite personnelle de 10 jours pour rechercher le revêtement d'en haut, préalable unique et non négociable au gagnement du plus grand nombre possible d'âmes qui demeurent. L'année 2008 s'écoula rapidement, pendant que les frères œuvraient pour obéir au message de Santa Cruz. Le 21 décembre 2008, alors que le frère Zach était à Bertois, il eut un message spécial de la part du Seigneur. Le Seigneur lui dit que l'année 2009 serait l'année du réveil dans la communauté missionnaire chrétienne internationale. Chaque croyant devrait retourner à son premier amour pour le Seigneur en déracinant les choses et les attitudes qui barrent la voie au Saint-Esprit dans son cœur et en devenant fidèle à être disciple du Seigneur Jésus, priant seul, ayant ses rencontres dynamiques quotidiennes avec Dieu, lisant la Bible, lisant la littérature chrétienne, prenant des retraites pour le progrès spirituel, priant avec les autres, donnant à Dieu, jeûnant, gagnant des âmes, faisant des disciples pour Christ, rendant compte, étant un membre fidèle de l'église locale, servant le Seigneur dans le domaine de son appel dans sa vie, vivant au centre de la volonté de Dieu en toutes choses et faisant tout pour la gloire exclusive du Seigneur Jésus. Le frère Zach portait continuellement le fardeau pour le réveil de tous les membres de la communauté missionnaire chrétienne internationale jusqu'au moment où il s'en alla pour être avec le Seigneur. Partout où les gens ont cru et obéi aux directives prophétiques, le message de Brazzaville, le message de Santa Cruz, le message de Bertois, Dieu a agi selon sa parole prophétique. Gloire soit à Dieu! Le frère Zach est parti, mais son ministère se poursuit. Le frère Zach est parti, mais notre but n'est pas encore accompli. Le frère Zach est parti, mais notre œuvre n'est pas encore achevée. Le frère Zach est parti, mais ne nous a pas laissé sans héritage. Il nous a laissé le Seigneur Jésus-Christ comme notre modèle. Il nous a laissé le témoignage de la vie qu'il a menée devant nous. Il nous a laissé un grand dépôt de prières et de jeûnes stocké pour nous dans la banque du ciel. Il nous a laissé des messages prophétiques et une feuille de route pour notre ministère. Il nous a laissé des hommes qu'il a bâtis pour poursuivre le ministère.
Il nous a laissé une vision globale et un but à poursuivre et à accomplir. Et plus important encore, il nous a laissé ce qu'il avait abondamment acquis et dont nous avons désespérément besoin, c'est-à-dire Dieu. Nous avons par conséquent tout ce dont nous avons besoin pour accomplir notre vision, atteindre notre but et achever notre œuvre à la gloire exclusive du Seigneur. Gloire soit à Dieu pour le don du frère Zach à nous, au corps de Christ et au monde. Gloire soit à Dieu pour la qualité de vie qu'il a menée et la qualité de travail qu'il a accompli lorsqu'il était sur la terre. Gloire soit à Dieu pour l'impact global de son ministère. Gloire soit à Dieu pour tous ses desseins liés à notre ministère. Que le nom du Seigneur soit à jamais loué pour tout ce qu'il a fait et continuera à faire dans notre ministère et à travers notre ministère pour la bénédiction du monde et de tout le corps de Christ dans notre génération, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, dans les mois à venir, dans les années à venir, dans les décennies à venir et dans les générations à venir, si le Seigneur Jésus tarde. Gloire à Dieu! Oh, les suites et larmes et vasa Damas, lève-toi et prêche la bonne nouvelle. Je t'enverrai vers un homme nommé Ananias. C'est lui qui te dira ce que tu dois faire. J'ai compté sur Adam, j'ai compté sur Caïn, j'ai compté sur Jonah, mais c'était en vain. J'ai compté sur Judas, mais il m'a trahi. Va prêcher l'évangile, Paul, je compte sur toi. Seigneur, déjà 3 jours et je ne vois pas mon frère Ananias est tout près de moi. Il me dit, frère Paul, le Seigneur du ciel m'envoie pour te guérir et t'ouvrir les yeux.